je vous retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo que je n'ai jamais encore fait et je suis très très contente de l'avoir fait avec Maëlys. C'est une vidéo swap vide placard. Donc d'abord je vais vous parler de ma rencontre avec Maëlys, ça s'est fait il y a quelques mois sur YouTube et vraiment c'est une personne que j'aime énormément. On s'est échangé des petits commentaires comme ça, après des petits messages, des petits snaps, voilà, très 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 bien. Et là aujourd'hui on s'est rencontrés pour de vrai et j'ai adoré, ça a été génial. On a passé une super journée, heureusement il a fait beau sur Paris, donc vraiment une journée au top et je te fais des gros bisous de m'avoir fait découvrir tous tes petits magasins préférés, c'était très très sympa. Et du coup, on s'est échangé nos swaps, donc moi là je sais qu'elle a ouvert le mien, je vais ouvrir le sien et du coup voilà. Je suis désolée, j'ai la tête un peu fatiguée, mais je viens de me taper 2 heures de route. Donc ça commence un petit peu à faire. Donc allez, on est parti parce qu'il y a tout ça avec un joli petit sac qui est trop mignon. Avec Marthe, today is a good day to be happy. Effectivement, aujourd'hui c'est une très bonne journée pour être heureux. Alors je vais piocher. Alors j'en ai ce que j'avais dit. J'avais mis mes petites affaires que j'allais acheter là-bas pour les transporter de ma voiture. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc on va partir, on va commencer, il n'y a pas de numéro, hein, on s'est mis des petits mots. Alors 100% plaisir, zéro complexe. Tu m'as dit, j'ai pris. Alors c'est parti. Oh, je vais mettre ça demain. Ça va sentir bon dans la maison quand mes invités vont venir et vont croire que j'ai fait ça à manger. Ah, ça sent bon, c'est rigolo. Donc c'est de la cire, oui. Oui, c'est des petites, vous savez, des petites tartelettes, des petits morceaux à faire brûler. Donc c'est tarte au citron. Et c'est assez rigolo comme odeur. On sent le citron, effectivement, on sent une odeur un petit peu sucrée. Donc oui, effectivement, tarte au citron. Donc à faire brûler, un carré pour 4 heures. Je pense que je vais tester ça demain matin, ça va être chouette. Ensuite, oh, oh la forme, ça me dit quelque chose. Pour des lèvres gourmandes et colorées. Je me suis doutée quand j'ai vu la boîte. C'est un petit... vous savez les baumes à lèvres colorés de chez Sephora. Hop. J'ai même pas... Vous voyez, je viens de rentrer. J'ai même pas enlevé les swaps de la journée. Ah ouais, c'est un petit rosé. C'est sympa. Quand je ferai les yeux un petit peu plus foncés, ça fera une petite, petite couleur sympathique. Merci. Tu l'as pas beaucoup utilisé celui-là. J'aime beaucoup. Merci. Pour l'instant, tout. Tu m'as plu. Vous trouvez bien, c'est le deuxième. Si tu aimes la grenade, tu vas être servi. Oui, j'aime la grenade. Alors, tu peux dire que j'ai acheté des choses, mais ça, c'est tout neuf. Je sais pas, tu ne l'as même pas essayé. La grenade? Non, j'ai mal vu. Oui, si tu aimes la grenade. Ah, c'est la couleur. C'est ce que je suis gourde. Donc, c'est de chez Maybelline New York. C'est le Eye Studio Color Tattoo 24 heures. Comme ceci. Alors je vais ouvrir ça pour le swatcher tout de suite. La couleur me plaît beaucoup comme ça au premier jet. Vas-y, il va encore un petit plastique. Comment que ça s'ouvre? Pourquoi tu t'es séparée de ça? C'est juste trop trop belle. C'est crémeux et tout. Oh, j'adore. Oh, c'est beau. Je vais être débile hein, pendant ce swap, je vous le dis. Je suis une vraie gosse. Quand j'ai des cadeaux, c'est génial. Oh, la couleur, elle est trop belle. Je vais essayer de l'utiliser demain. J'adore. Vraiment, la couleur est juste magnifique. Et la texture, c'est assez sympa. C'est crémeux, c'est très très chouette. Merci beaucoup. Oui, je vous ai pas dit, on avait dit qu'on se faisait 20 petits paquets. Ils sont si bons l'été et le soleil. Je suis nulle hein, pour les découvertes, hein, je vous le dis. Je n'ai aucune idée de trouver les couleurs. Oh, c'est un petit bijou. Oh, un petit bouchon. Quand je vous dis que j'ai 2 ans d'âge mental, hein, quand je vois un paquet cadeau, c'est tout à fait normal. Oh, il est bleu, c'est trop beau. Oh, il est super joli. Oh, j'adore. Ce qui est drôle, c'est quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas du tout le bleu. Et plus je vieillis, plus j'en mets. C'est assez bizarre. Ah, il est trop beau. J'adore. Bon, ça va pas avec les couleurs que j'ai mis, mais c'est pas grave. Ah oh, ouais, non, il est super beau. Oh, j'ai une chemise demain, je mets une chemise bleue à poids, celle de chez Primark. Je suis sûre que ça va être super sympa.
Alors, une marque que tu aimes plus un super produit, un combo gagnant. Une marque que j'aime. Alors voilà, j'ai pas d'idée parce que j'ai pas, je sais plus ce que je t'ai dit. J'adore les produits Yves Rocher. J'adore les produits Yves Rocher parce que c'est toute ma jeunesse et en fait j'en ai mis énormément beaucoup et j'ai failli l'acheter il n'y a pas longtemps celui-là. Donc c'est le gommage éclat fraîcheur. Donc c'est la gamme Hydra Végétale, les nouvelles gammes qui sont sorties il y a quelques temps. Et c'est des produits que j'aime beaucoup. Je me suis acheté le contour pour les yeux il n'y a pas longtemps de celui-là. Et donc vraiment, merci beaucoup parce que j'ai hésité à l'acheter. Puis je me suis dit, bon allez, t'en as plein déjà des gommages. Ils sentent le frais, c'est génial. Merci. Pas gentil d'écrire en anglais. Warm up your pretty face. Alors, voyons. Je pense que la vidéo va faire 3 plombs. Je vais mettre 3 jours à l'uploader, mais c'est pas grave. J'espère que je vais avoir assez de... Oh, Tiba vient de te séparer de ça, il faut pas. Donc, c'est de chez Make Up Revolution London. C'est un blush. Couleur Malibu. Ça doit être dans les tons un peu bronze. Donc je pense que pour moi, ça va être pour faire mon contouring. J'espère que je vais arriver à m'en servir parce que je suis pas très douée. Va falloir que j'estompe et ça, je sais pas très bien faire. Mais bon, on va apprendre. Ah ouais, pour cet été, ça va être sympa pour faire le... Ah ouais. On va falloir que je prenne un petit peu de couleur quand même. Hein, mais très très sympa. Puis à estomper. Finalement, estomper, ça va. Ça m'a pas l'air trop compliqué. Bon, ça va. Je devrais y arriver. Merci, c'est trop bien. Puis j'adore, effectivement. C'est une marque que j'ai pas l'occasion d'acheter très souvent, mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Un petit trésor que je ne veux pas utiliser, mais faisant un bon usage et profitant un masque. Alors, ça, je crois que je l'ai senti dans la voiture. Donc, j'ai une petite idée de ce que c'est. Parce que j'ai ouvert le sac dans la voiture à un moment et j'ai eu une odeur. Je fais, ça vient de quoi ça? Cela viendrait de ton ancien travail. Mais du coup oui, comme tu n'as plus de, je pense que c'est... Oui, vous savez comme t'as plus de baignoire, oui effectivement c'est pas forcément pratique. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Ça sent trop bon. Je vais jamais, en fait je vais pas oser l'utiliser. C'est trop beau, je vais le garder comme ça. Je vais le mettre là pour pas l'abîmer pour l'instant. Vraiment, c'est... Merci beaucoup parce que je sais que tu aimes beaucoup ces produits-là. Donc vraiment, merci. Merci beaucoup. Et ça sent trop bon. Je sens que je vais me faire piquer par un jeu le pain. Oh, ça sent bon. Alors ensuite, des bonbons pour les yeux. Attends. Effectivement, la reine du scotch, tu m'as pas menti. C'est trop rigolo parce qu'en fait j'ai dit que j'allais tourner ma vidéo et du coup il y a mon chéri en bas qui regarde la télé mais qui l'a pas mis fort du tout. C'est trop drôle. Je suis douée dans mon genre. Voilà. Des bonbons et des couleurs colorées. Oh, elles sont belles. Je pense qu'en fait tu m'as bien cerné. C'est drôle hein, comme quoi finalement. Parce qu'on s'est changé un petit questionnaire, mais voilà, mais après je pense que c'est vraiment au fini. Elle est super belle. Donc c'est une petite palette All About Candies de chez Essence. Et c'est vrai que moi Essence, je peux en avoir un petit peu dans la région, mais j'en ai pas beaucoup. Chez Auchan, il est tout moche le corner. Alors, on va faire le violet. Oh, ils sont quand même bien pigmentés. Hein. Je vais faire le petit rose et le petit blanc, le petit jaune comme ça. On va faire les trois du haut. Celui-là, je l'ai mal fait. Voilà. Allure. Vous n'allez pas bien voir parce que j'ai pas une luminosité de ouf pour vous, mais moi je vois, c'est super lumineux. J'adore. Mais je vais pas pouvoir tout essayer demain aussi, ça va pas. Mais bon, je vais essayer bientôt, de toute façon je vous montrerai hein, ce que je testerai. Alors ensuite, un splash de fraîcheur. Oh, Kiyako, c'est un petit parfum. Verveine citron. Ah, j'ai pris une boutique. Ah, ça sent bon. Ah, ça me rappelle l'été, effectivement.
Ah, ça sent bon. J'aime bien. C'est rigolo, j'aurais pas pensé parce que c'est pas quelque chose sur lequel je me serais tournée forcément au départ, mais vraiment ça sent très très bon. Merci. Une douce et fraîche odeur pour te faire pardonner de tricher. Donc c'est de chez The Body Shop, c'est un gel douche soyeux et somptueux white musk, comme ceci, format voyage, et un lait corporel doux et satiné, toujours white musk. Donc c'est un joli petit combo, très très simple, que je pense que je vais emmener en vacances, si on part bien comme prévu à la fin du mois d'août. Tu m'en as fait acheter d'ailleurs du The Body Shop de cet après-midi. Suis débile, j'en ai conscience, j'en ai totalement conscience que voilà. Mais j'ai toujours été comme ça quand on. Même si voilà, c'est des cadeaux, voilà, on les a échangés dans l'absolu, c'est des cadeaux. Pour des joues de poupée. Ah oui, ça j'aime. Oh, elle est belle la couleur. Oh, j'espère que la couleur est aussi belle que le pot, parce que vraiment la couleur du pot me plaît beaucoup. Donc c'est Dream Touch Blush. C'est de chez Maybelline. Bon, c'est pareil, t'as pas beaucoup utilisé non plus, hein. Alors c'est très joli, je vais voir, j'essaierai en estompant. Ah oui, ça va, non, j'avais peur qu'on est. Mais non, j'avais peur, mais en fait en estompant c'est très joli. Vous n'allez pas bien, oui, ça fait un petit rosé qui est juste là. Je pense que je vais le tester en blush et je pense que je vais le tester sur les yeux aussi parce que la couleur elle est très très belle, un vieux rose, et ça sera très chouette. Puis la texture crème ça peut être très sympa, donc je pense que je vais tester. Merci beaucoup. Bon, moi je suis en train de me dire que je t'ai pas mis autant de make-up, hein. C'est beaucoup plus des soins. C'est pas un produit voilà. Petit prix, mais je suis contente que tu en feras, je suis certaine que tu en feras bon usage. Ça va pas du tout ça, parce qu'on a dit qu'on faisait que du petit prix. Parce que, voilà, moi j'avais pas en stock, j'ai pas des produits très très chers, donc je lui ai dit non, non, si on fait un sweat pour envie de... Donc c'est de chez Sensei, c'est un tonifiant hydratant, donc c'est un très bon produit effectivement, que j'aime beaucoup, bah, j'ai déjà eu l'occasion de voir des filles en parler et ça me donnait beaucoup beaucoup envie, et voilà, ça sent très bon, pourquoi t'as pas gardé? C'était très bien, mais merci beaucoup, Beautiful Scents, c'est des super bons produits, vraiment, mode d'emploi, un DB, oui, ça, je devrais y arriver. Merci beaucoup en tout cas, mais fallait pas, on avait dit pas de produits très chers. Merci. Ensuite, il en reste encore en fait. Je me dis la vidéo fait déjà 13 minutes et j'ai pas fini. Un tour à New York. Maybelline? Oui, ce que mais. Maybelline, New York. C'est de la marque NYX, c'est un rouge à lèvres. Comme ceci. Oh, c'est mon tout premier NYX, j'en ai jamais acheté encore. Oh, t'es zinzin. Oh, il est trop belle la couleur. C'est un rouge, mais il va être beau. Oh, mais t'es pas bien. On avait dit, voilà, pour moi NYX, c'est quand même déjà des produits pas donnés. Alors, comment ça se fait que tu me donnes ça? Ça va pas du tout. Très 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 coton. Enfin, je sais que je pleurerai pas parce que c'est pas mon genre, voilà, mais à l'intérieur ça. Mon swap il est tout moche, je sais pourquoi. Mais voilà, vraiment merci beaucoup. Je suis rien qu'une sale tricheuse, PS, le pire paquet du monde. Bon, ça va, hein. C'est fermé. T'as mis du papier club. C'était ça le tricheuse dans ma cuisine. C'est pas bien. Alors, oh, t'es pas bien, t'es vraiment pas bien. Donc le premier que je vois, c'est de la couleur, me plaît beaucoup. C'est de chez Ciaté, c'est un gris très très clair. Il va être top. Et celui-là, je pense que je vais le faire ce soir, avant d'aller me coucher. Oh, merci beaucoup, beaucoup. C'est pas bien, déjà rien que ça. Ensuite,
Donc de chez Yes Love, comment il s'appelle celui-là? Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un petit verre avec des petites paillettes étoiles, il y a plein de petites choses. Il va falloir que j'apprenne à faire du nail art, du vrai. Parce que avec ça nécessite. En tout cas, je vais. Ah oh ouais, par-dessus, des petits. En fait, c'est très très. C'est plein de petites paillettes de toutes les couleurs dans les tons verts et. Je vais bien aimer, je pense. Je testerai. Cet été, je vais tester. C'est bien des couleurs estivales, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, c'est de chez Kiko, les deux, je crois. Non, il y en a un de chez Emma. Alors, effectivement, le scotch. Alors, donc, de chez Kiko, c'est le Sugar Matte. Je connais pas du tout cette gamme-là. Ça fait un petit rose pêche. Et là, il y a de la paillette dedans. Oh, il va être beau aussi, celui-là. Je vais peut-être faire un combo du ciaté avec celui-là. Faire quelque chose de sympa. Et enfin, c'est un top coat. Ça, c'est très bien parce que j'ai quasiment fini le mien. Donc, vraiment, merci. De chez Emma. Et ça, c'est la base. Le top coat, c'est la base. Les couleurs ne sont pas trop de saison, mais je les fais avec plein d'amour. Ça, c'est ce que tu m'as dit. C'est rigolo parce qu'on s'est toutes les deux fait quelque chose maison. Donc, j'espère que ça t'a plu parce que je vais bon, c'était pas grand-chose. T'es super patiente en fait. En fait, t'es vraiment quelqu'un de très très patient. Bah si, je trouve que c'est plutôt la saison. Puis de toute façon, ces bracelets-là, c'est totalement la saison. Il est très très joli. C'est un petit bracelet. C'est bracelet brésilien, c'est comme ça qu'on dit. Ah oh, ouais, ça va être super chouette pour cet été. Moi j'adore. Oh, merci. Il est trop mignon. Puis ça va en plus que c'est toi qui l'as fait. J'adore. Les couleurs, ça me va tout à fait, c'est exactement moi. T'as bien fait. Merci beaucoup. Non, je ne pleurerai pas. Ensuite, des mains propres en tout lieu. Ah, j'ai une petite idée. Oui. Donc c'est de la marque Merci Andy au Lemon. Et ça, c'est toujours utile, effectivement. Parce que tout le monde c'est des cochons et que même nous quand il faut toujours se laver les mains et c'est pas toujours possible. Donc ça c'est top top top. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Mais ça c'est pareil, hein. C'est tout neuf, hein. C'est acheté ça. Je veux pas dire que tu le. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, lui, je l'adore, mais j'en ai trop. Qu'est-ce que tu peux avoir de trop? Oh. Oh, ça fait des semaines, des mois que je le cherche. Oh, parce que dans mon au champ, dans mon corner, qui est tout petit, hein, de chez Essence, il n'y a que le testeur moche, il n'y a jamais de réassort. Oh, donc c'est un rouge à lèvres ou une laque à lèvres, je sais plus. Oui, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Essence. Et c'est vraiment une couleur que j'adore. Mais vraiment, quand je vous dis que ça fait des semaines, c'est ouais, ça fait des semaines. Et à chaque fois que j'y vais, je me dis, ils vont l'avoir, ils vont l'avoir. Mais non. Regardez-moi ça. Elle est trop, trop belle. Ah oh, ouais, ça va être chouette. Oh, merci, merci, merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est idiot, hein, parce que voilà, c'est qu'un petit rouge à lèvres. Mais c'est ma couleur. Une des couleurs que j'adore et que je n'arrive pas à trouver. Donc merci, vraiment. Bon, faut que j'arrête parce que je dis merci à 36 000 fois. Donc. Voilà, de toute façon, je te renverrai un petit message. Tu aimes les cupcakes? Oui, oui, j'aime les cupcakes. J'aime bien en faire aussi. Lip Smacker Salted Caramel. Oh, comment ça sent? Oh, c'est impressionnant. Oui, ça sent vraiment le caramel. Alors, pour le coup, je pense que je le garderai plutôt pour cet hiver. C'est un baume à lèvres, donc il est transparent en fait, je suis bête, je vous le montre. Ah oh, c'est impressionnant l'odeur, effectivement, ça sent vraiment le caramel. Donc oui, plutôt pour cet hiver, parce que les odeurs sucrées, je préfère l'hiver, mais vraiment, top. Puis le petit packaging, regardez-moi ça, c'est trop chou. On en voit le bout, il en reste une, deux, trois, il y en a trois, plus il y en avait un en plus, un bonus. Alors... Une marque au top, des couleurs qui pop pour t'en sortir un peu de ta zone de confort.
Ça veut dire arrête de mettre du marron ou du clé ou des choses très très pas très très. Une folle dingue déjà de ta zone de confort. Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc déjà c'est une palette de la marque Sleek. Je les adore. Je suis en train de me les acheter les unes après les autres. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Je ne sais pas si je vais y arriver tout de suite, mais je comprends ce que tu voulais dire. Et hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Les couleurs sont très très belles. Alors j'avoue que je pense que le bleu, ça va être le plus long pour moi à utiliser. Parce que c'est pas. Les autres, ça devrait aller, je pense. Je vais arriver à les utiliser. Le bleu turquoise, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais commencer par le bleu là qui est très joli. Je vais vous en swatcher quelques-uns. On va faire le petit rose qui est là. Le petit gold. Qu'est-ce qu'ils sont pigmentés les palettes Sleek, c'est un truc de fou. Voilà, hop, j'ai fait ça. Et ça donne. Oh là là, la pigmentation de malade. Oh, il est beau celui-là. Je ne sais pas encore bien comment je vais l'utiliser, mais il est super beau. Et je suis en train de me dire qu'il aurait été super bien avec un truc que je t'ai donné. Mais comme je l'utilise, comme j'avais pas de couleur pour aller avec, je l'ai pas utilisé. Merci beaucoup parce que vraiment Sleek c'est une marque que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc je vais plus savoir où tout ranger moi. En tout cas je me sais que parce que j'ai une très bonne mémoire des choses, de qui m'offre quoi. Donc vraiment à chaque fois que je vais l'utiliser, je vais me rappeler que c'est toi qui me les as offert. Et c'est très très chouette. Non j'ai pas lu. Lui c'était obligé, il était pour toi. Pumpkin Late. Donc c'est de chez Bath & Body Works, c'est une petite... c'est pareil, hein, c'est tout neuf ça. Et c'est moi qui triche. Oh, comment ça sent. Oh, je vais pas savoir, est-ce que j'espère que c'est marqué. Non, c'est pas marqué, c'est dommage. Fragrance... Pumpkin Plate. C'est l'automne, mais alors je saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais ça sent super bon. T'as bien choisi. T'as vraiment très 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 bien choisi. On en a passé du temps à chercher des petites eaux comme ça cet après-midi. En tout cas, celle que tu as pris, la Tahiti ou Hawaii, je ne sais plus. Elle est top. Chérie, il en a pensé quoi d'ailleurs? Donc là, c'est le dernier. J'ai gardé le plus gros pour la fin. Je vous dis, comme les gosses. Il aurait ça, c'est le dernier du soir, puis après le dernier c'était pour mon anniversaire parce qu'on a toutes les deux notre anniversaire au mois de juin. Donc, du coup, voilà. Alors, tellement gourmand. Oh j'ai failli l'acheter. Je l'ai pas fait, mais j'ai failli. Donc c'est le top crème douceur d'enfance au parfum caramel à l'ancienne. Ouais, ça sent très très bon. C'est pareil, je pense que je vais attendre cet hiver parce que je pense que là en ce moment c'est plus des choses fraîches, mais cet hiver ça va être. Ça va être dope. Non vraiment ça sent très très bon. C'est vrai que c'est une odeur très 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 sucrée et il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi vraiment j'adore, j'aime beaucoup beaucoup. Je pense même que dans un petit bain ça passerait bien. J'avais un petit paquet qui avait roulé sous mon bureau et c'était ça, c'était un mascara de chez Essence qui est super top. Donc déjà juste pour là le bon tant pis, vous allez voir mon bazar en dessous, vous allez voir le fait que je suis carrément en pige. Voilà, tout est là. Il y en a un peu partout. Déjà, rien que pour ça. Pour la partie swap, vraiment, j'adore. Je suis très très contente. Vraiment, merci beaucoup, Maëlise. C'est top. Et puis maintenant, du coup, comme promis, j'ai gardé celui-là pour la fin. Donc, c'est petit plus d'anniversaire pour la fin. Donc, allons, voyons. Voilà. Plus, tu veux, tout ce que tu m'as dit quand je suis partie, ça m'a un peu fait flipper. Je me suis dit, mon swap, il est tout moche. Tu veux te le renvoyer. Mais t'es une malade, pourquoi tu ne l'as pas gardé? Donc c'est une CC crème, donc ça pour la correction du teint de chez Chanel. T'es une grande malade, hein. Vraiment, on avait dit petit prix, ça voulait dire petit prix. T'es vraiment une malade. La couleur, ça m'a l'air d'être exactement ça. De toute façon, on a à peu près la même couleur de peau. Oh, la texture de ouf pour une crème. Mais t'es folle. T'es vraiment folle. Je sais pas, vous allez rien voir, mais c'est pile poil la couleur qu'il me faut.
T'es cinglée. T'es cinglée, vraiment. Parce que voilà, c'est du Chanel, quoi. C'est pas... Et puis tu m'as dit, je comprends mieux ce que tu m'as dit par rapport à Ali. Je comprends beaucoup mieux. Mais t'es une grande malade. Tu n'aurais vraiment pas dû. Je me sens toute gênée parce que du coup, moi, je t'ai pas du tout mis de marque comme ça parce que bah, j'en ai pas, en fait. Je n'ai pas l'occasion d'en avoir. Et... Je vais pas oser l'utiliser. Hop, c'est un SPF 25. C'était le truc du jour, ça, les SPF. SPF. Je vous fais un petit bilan. Je pense que vous allez me dire qu'on n'entend rien sur la vidéo, mais j'ai un petit peu de mal à parler. Je suis contente de tout. De tout, de tout, de tout, de tout. Je peux pas dire qu'il y a quelque chose que je n'aime pas, vraiment. Je tout, j'aime tout. Tout ce que tu m'as mis, il n'y a rien qui ne me plaît pas. Je me dis que moi j'ai mis des choses, je pense que ça va pas te plaire et du coup ça me rend fou les boules. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Merci, merci beaucoup, Maïlys, parce que tu es la première avec qui je fais un swap. J'en ai un autre qui va arriver bientôt, mais là, tu es la première et voilà, tu es une des premières personnes avec qui j'ai commencé à discuter sur YouTube. Donc vraiment, merci beaucoup du fond du cœur et merci pour cette amitié qui est naissante. Et j'espère que notre aventure ne fait que commencer, qu'on va continuer encore et très très longtemps et qu'on aura l'occasion de se faire une petite journée avec Jess aussi sur Paris. Ce serait très très chouette. Donc, je sais pas trop quoi dire en fait, du coup, parce que je trouve que ton swap il est extraordinaire et que le mien il fait un petit peu terne, puisque c'est des petits produits que j'ai trouvés à droite à gauche chez Nose principalement. Alors, certes, il y a des bonnes affaires, il y a des choses comme ça, mais vraiment, voilà, ça reste des petits prix, des petites choses. Voilà, déjà, ça là, du Chanel, c'était pas bien. Ensuite, du Slick, du Bath & Body Works, du The Body Shop, que des marques. Très sympa, toi tu peux dire que c'est des petits prix. Pour moi, c'est pas des petits prix, ça pour moi, c'est déjà des très très bonnes marques. Donc voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, 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 merci. Et j'espère que t'es pas trop déçue du swap qu'on a. Voilà, je te fais des gros gros bisous. Et je te dis à très 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 vite. Et puis voilà, ouais, de toute façon, là, je vais t'envoyer un petit message. Bisous, bisous. Quant aux autres, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!